en retard ce matin, on dirait. Je suis désolée, Madame Gates, ça ne se reproduira pas. Vous m'avez déjà dit ça la semaine dernière. Cette fois, je vais m'y tenir. J'espère pour vous. Bonjour, Lewis. Oh, salut. Qu'est-ce qui te fascine? Je mets la dernière main au nouveau produit de mon génie. Ah, tu es aussi modeste qu'intelligent. Oh, admets-le, tu es intrigué. Intrigué, c'est peut-être un peu fort. Curieuse plutôt. Regarde bien, accroche-toi, c'est un nouveau programme que j'ai conçu et qui montre les liens entre les marées, les courants saisonniers et les lignes de fond. Et tu fais tout ça pourquoi? Pour savoir exactement où est le poisson et quand est-ce qu'il a faim. Waouh, impressionnant. Je te le montre en action. Oh non! Ton vieux portable te joue des tours. J'ai pas les moyens de m'en offrir un autre. Tu as fait une sauvegarde? J'ai failli la faire, juste. Oh, tu as l'air d'être un drôle de génie. Tiens. Oh non! Mon ordi est mort! Oh. Et voilà! J'ai plus qu'à me trouver un boulot. Ça va. Ah, je sais ce que tu veux. Oui, il avait l'air de s'ennuyer. Je lui ai donné une friandise. Tu devrais connaître les nouvelles règles, Cléo. Seuls les gens autorisés peuvent nourrir les dauphins désormais. Oui, mais il adore les calamars. Il ferait n'importe quoi pour en avoir. Tu dois le nourrir drôlement souvent pour être aussi bien renseigné. Non, en fait, oui, je veux dire quelques fois, peut-être. Ronnie est notre meilleure attraction. Son régime doit être surveillé très strictement. Oui, Madame Gates, je suis désolée. J'y crois pas moi-même. Moi, je suis sûre que tu vas trouver un autre boulot. Oui, peut-être, mais jamais j'en trouverai un que j'adore autant que celui-là. Vendre des glaces à tous ces petits morveux? Tu dis que tu adores? Est-ce qu'un peu de tact serait trop te demander, Ricky? Tu ne penses pas qu'une fois qu'elle se sera un peu calmée, Madame Gates réalisera qu'elle s'est trompée? Tu crois? Bien sûr. Forcément, Cléo. Et puis, où est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui sera prêt à travailler pour un monstre comme elle? Je dois dire que vous avez de la chance, parce qu'un poste vient justement de se libérer. Génial. Et de quel poste s'agit-il? Un poste clé. Un poste vital pour la santé et le bien-être de nos clients. Désolée, j'ai peur de ne pas avoir assez. Ah, permettez. Oh, merci, Lewis, mais je ne veux pas que tu fasses ça. Oh, laisse tomber. Je te l'offre, Cléo. J'ai trouvé un boulot. Vraiment? Parfaitement. Et, en fait, toi et moi, on va travailler ensemble. Fais attention, je pourrais te remplacer. C'est déjà fait, merci. Quoi? Oui, j'ai été virée aujourd'hui. Attends, mais tu rigoles? Non, pas du tout. Alors, t'as déjà un boulot? Ouais, et je le regrette déjà. Nous souhaitons améliorer un peu la surveillance du personnel, voyez-vous. Je ne parle pas de vous, évidemment.
Non, bien sûr. Il ne faut pas qu'il s'en sorte comme ça. Attends, ne tire pas de conclusion hâtive. Lewis ne savait peut-être pas qu'il lui prenait son job. Non, tu as raison. Lewis nous a montré encore récemment sa loyauté. Rappelle-toi ce que je te disais au sujet du tact. Regarde le bon côté des choses. Je crois que tu connais bien Lewis. Il va probablement laisser tomber 3 caramels sur la tête d'un gamin et il se fera virer. Et à ce moment-là, tu retrouveras ta place. Ça m'étonnerait. Il n'y a pas de travail aussi facile sur toute la planète. C'est peut-être pour ça que je l'aimais autant. Elle a raison, tu sais. Servir des glaces n'est pas une tâche extrêmement compliquée. Ben, ça pourrait changer. Toi l'honneur. Ok, si t'insistes. Et une boule vanille. Merci. Attends. Ok, non, pleure pas. Je vais t'en donner une autre. Désolé. Voilà, une grosse boule. Ça veut dire, c'est une blague. Mais non, mais elle est pas du tout, j'y suis pour rien, moi. Je vais en dire 2 mots à la direction, moi. Attendez, attendez, il n'y a pas urgence. Monsieur, je vous en prie. Hé, montrez-vous, je sais que vous êtes là. Vous êtes complètement folle. N'importe qui peut vous voir. Je peux pas croire que tu aies pu lui faire ça. Elle s'est fait virer, mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Mais qu'est-ce que vous faites là-dessous, vous? En fait, je faisais une petite pause. Mais il n'y a pas de pause, je croyais vous l'avoir dit. Il n'y avait pas de client. Et à qui parliez-vous? À personne. Ah, disons que, oui, bon, bah, j'ai peut-être fait un petit coucou à un copain, mais à part ça... C'est votre premier jour, Lewis. Vous devriez faire preuve de plus d'ardeur au travail, je pense. Oui, madame Gates, je suis désolé. Vous êtes des espèces de... Ah ouais? Eh ben toi, t'es un traître. Alors remballe tes injures. Viens, Emma. La puissance de 200 gigas. Lewis. Non. Ouais, c'est super. Lewis, il faut que tu arrêtes de culpabiliser comme ça. Cléo s'est fait virer bien avant que tu aies le poste. Ouais, je sais, c'est idiot. Mais moi, je me sens coupable. Il ne faut pas. Ça, c'est facile à dire. Cléo n'est pas une gamine, elle n'a qu'à se débrouiller. Ouais, d'accord. Et tu sais, elle adorait vraiment son job et... C'est un dauphin auquel elle était très attachée. Attachée? Comment ça?
Laisse tomber. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Et une seconde, tu ne veux pas voir les brochures? Lewis, bonjour. Cléo, je peux te parler? Papa, si cette personne à qui je refuse de parler me demande, dis-lui que je n'ai absolument rien à lui dire pour l'instant. J'ai l'impression qu'elle n'a pas envie de te parler. Écoute, Cléo, je t'assure que j'ignorais que tu avais perdu ton job. C'est bizarre, j'entends d'étranges gémissements. Monsieur Sartori, pouvez-vous dire à Cléo que je me sens vraiment mal de lui avoir pris son job? Lewis dit que... J'ai entendu. Réponds-lui que ce n'est pas le problème. Cléo dit que... J'ai entendu. Je suis en désaccord complet. Comment peux-tu nier une chose pareille? Tu as été viré, Cléo. Oh, bon, d'accord. Mais tu pourrais y mettre les formes. Vous êtes bien sûr qu'il n'est pas dans le bassin principal? Absolument sûr. Il n'est dans aucun des bassins. Bonne journée. Pas si bonne que ça, j'ai bien peur. On a perdu Ronnie. Et à rire, ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Nous avons des questions à vous poser. Oui, oh, volontiers, allez-y. Vous souvenez-vous avoir vu quelqu'un de suspect rôdant autour des bassins aujourd'hui? Non, non, j'ai vu personne. Enfin si, j'ai vu des gens, mais personne de suspect. Et que faisiez-vous au-dessus des grilles de sortie? Je ne sais rien, je vous jure. Tu as ouvert la grille? Non, je ne sais même pas comment on fait, et même si je savais, pourquoi je le ferais? Vous êtes sûr? Je vous jure. Mais peut-être reconsidérerez-vous votre version des faits quand vous aurez vu la vidéo de sécurité. Vous croyez vraiment que c'est nécessaire? Parce que c'est toujours bizarre ce qu'on voit sur les écrans de sécurité. Du calme, Lewis. Là. Expliquez-moi ça. Quoi? Ça? Ah, c'est moi. Je suis juste là et je fais rien de mal. Vous êtes en train de parler à quelqu'un? Oui, à Ronnie. J'aime les animaux depuis toujours, moi. Je les traite tous comme des êtres humains, en particulier les dauphins. J'adore les dauphins. C'est une affaire sérieuse, Lewis. J'en suis parfaitement conscient. Que faisiez-vous vers les commandes de la grille? Je vous jure que je n'y ai pas touché. En tout cas, pas exprès. J'essayais juste de ne pas tomber à l'eau. Et je vais avaler ça. Je vais vous poser la question pour la dernière fois. Avez-vous laissé partir Ronnie en lui ouvrant la grille? Non, 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 je vous jure, j'ai pas fait ça. J'ai épluché toutes les images vidéo à partir de cet instant et je n'ai constaté aucune apparition de Ronnie. Oui, c'est terrible, bien sûr. Mais franchement, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous êtes responsable de la disparition de Ronnie, admettez-le. Je ne suis pas responsable et je serais un menteur si je prétendais l'être. Bien. Vous ne me laissez pas d'autre choix, Lewis. Appelez-moi la police. Vous n'allez pas le croire. Quoi? Ronnie a disparu. Mais c'est terrible. Ils disent que la grille du bassin était ouverte. Et le pire, c'est que... ils croient que c'est Lewis le responsable. Quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Je ne sais pas, c'est du délire. Lewis ne ferait jamais une chose pareille. Il faut que j'aille là-bas. C'est forcément nous, on n'a pas dû refermer la grille. Il faut lui dire. T'es folle ou quoi? Tu veux lui dire qu'on est responsable? Elle adore ce dauphin et c'est notre faute ce qui est arrivé. Alors c'est à nous de le ramener. Essaie d'être positive. Une seconde, ça te changerait. Il faut être réaliste. On cherche un dauphin dans un océan où il y en a partout. Eh bien, il faut chercher encore. Non, mais le seul moyen qu'on ait de l'identifier, c'est d'espérer qu'il remonte du fond et nous morde la queue. Et si jamais on ne le retrouve pas, c'est Cléo qui va te la déchiqueter.
Si j'avais su ce qui arriverait, je ne t'aurais jamais écouté. Je ne serais pas ici avec toi. C'est ma faute. Admettons qu'on soit toutes les deux responsables. Ça partait d'une bonne intention. Oui, tu expliqueras ça, Lewis. Là, je vais avoir du mal. Je vois pas comment on va s'en sortir. On appelle Cléo, on lui demande pardon. Non ! Pas question ! Il y a encore plein d'endroits où on n'a pas cherché. Suis-moi. Lewis, il y a une chose que je veux savoir. C'est toi ? Non. Et pourquoi il croit que c'est toi ? Je suis sur les images de leur caméra de sécurité, accroupi devant les commandes d'ouverture des grilles au moment où Ronnie disparaît. Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas toi ? Tu peux très bien les avoir ouvertes sans le vouloir. Tu peux me croire, je n'ai rien fait et je connais les responsables. Alors dis ce que tu sais. Je ne peux pas. Si, tu peux. Non, je te dis que je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que tu voudrais vraiment que je leur dise que tes deux copines, tes deux sœurs se sont pointées en petite sirène et qu'elles ont oublié de refermer la grille. C'est ce que tu veux ? On a eu ton message. Vous n'auriez pas quelque chose à me dire ? Que ce débardeur te va bien, autant. C'est vous qui avez relâché Ronnie. On est désolés, Cléo. C'est un accident, je te promets. On n'a même pas vu qu'il nous avait suivis. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce bassin ? Tout le monde pouvait vous voir. On voulait... On ne pouvait pas supporter que Lewis t'ait piqué ton job. Donc on est allé le voir pour lui pourrir la vie. Bien, donc. Ronnie s'est enfui et Lewis a de sérieux problèmes. Est-ce que c'est suffisamment pourri comme situation ? Et ensuite, vous n'avez plus vu le dauphin ? Plus jamais revu. Je sais que ça paraît louche, mais je n'ai rien fait. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire ce que vous faisiez près des commandes d'ouverture des grilles. Dites-moi la vérité, et vous êtes libre. On a cherché dans tout le récif déjà. Il faut chercher encore. Enfin, réfléchis, on va pas fouiller tout l'océan. J'ai peur qu'il ait faim, moi, depuis tout ce temps. Il va bien. Il se promène dans un océan plein de poissons. On y est né en captivité. Il ne s'est pas chassé pour se nourrir. Qu'est-ce qu'il mangeait ? Des mollusques ? Il ferait n'importe quoi pour un calamar. Une seconde. Je crois que j'ai une idée. Je suis passé au milieu d'un banc énorme ce matin. Ah oui, où ça ? À l'est de Mako. Et c'est pourquoi ces calamars ? Pour pêcher. À plus tard. Merci, papa. Quelles sont les charges retenues contre lui ? Les charges ? Je vous dis que je n'ai rien fait. Dès que nous en aurons fini avec l'enquête, nous reviendrons vers vous. Pour l'instant, nous allons vous conduire au poste, où nous prendrons votre déposition. Viendront le chercher chez vous. Pour la dernière fois, je suis innocent. Épargnez-moi vos discours, Lewis. Le seul qui pourrait encore vous aider, c'est Ronnie lui-même. Merci, monsieur. Regardez, c'est Ronnie. Mais qu'est-ce que vous disiez ? C'est le dauphin en question. Oui, c'est bien lui.
Il va très bien, comme s'il n'était jamais parti. Je ne comprends pas ce qui a bien pu se passer. C'est ça la nature, Madame Gates. Des merveilles qui dépassent votre entendement. Vous devriez faire vérifier cette grille, Madame Gates. Ah, oui, cela va de soi, merci. Et si vous pouviez vous excuser, ce serait bienvenu. Que je m'excuse? Mais vous plaisantez. Je crois que ce serait la moindre des choses. Ou peut-être préférez-vous que vos supérieurs soient informés de l'incident? Bien. Je suis désolée. Voilà, vous êtes content? Oh, j'ai en fait une dernière petite demande à vous faire. Ça fait plaisir d'être là. Il y a un truc qui va pas me manquer en parlant de ce job, c'est cette horrible casquette. C'est surtout le salaire qui va te manquer. Ouais, ça c'est sûr. Mais vu que toutes les deux vous allez participer à la réparation de l'ordinateur de Lewis, il n'aura pas de regrets. Ok, d'accord, je vais participer. Mais ça va pas. Ricky, je crois que c'est le moins que tu puisses faire. C'est ton ordinateur, c'est ton problème. Je te trouve vraiment pas charitable, hein, Cléo? Pas charitable, moi? Mais je suis la personne la plus charitable que je connaisse. À part Emma. Trouver un boulot aussi facile. Mais pourquoi pas?